Le président du FASO visite des réalisations en Guinée équatoriale en marge de la visite d'amitié et de travail. Michel Cafando a fait le tour de quelques infrastructures sanitaires, sociales et sportives. Il a pris la mesure du boom économique de ce riche pays. Au programme également, un face-à-face avec les Burkinabés vivant en Guinée équatoriale. La liste des candidats à la présidentielle du 11 octobre prochain s'allonge. Il faudra compter avec Yacouba Ouédraogo. C'est lui qui va défendre les couleurs de l'Union pour un Burkina nouveau. Il a été investi aujourd'hui par les militants du parti. Et puis dans ce journal, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir les brochettes de Kaya. C'est la spécialité de la ville, des brochettes de viande qui font le bonheur des clients de passage et qui constituent, vous allez le voir, un bon gagne-pain. Cette bonne nouvelle, l'Afrique pourrait bientôt bénéficier d'un vaccin contre le paludisme baptisé RTS-16. Il a été mis au point par une firme pharmaceutique britannique. La cible de ce vaccin, ce sont les enfants. L'Agence européenne du médicament a donné son avis favorable. Reste l'aval de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour ouvrir ce journal, on revient sur le séjour du président du FASO en Guinée équatoriale. En marge des travaux, Michel Cafando a visité des infrastructures sanitaires, sociales et sportives, l'occasion de prendre la mesure du boom économique de ce riche pays pétrolier. Roger Kam et Lazare Pouya. Au cours de sa visite d'amitié et de travail de 48 heures à Malabo, le président du FASO, Michel Cafando, a eu plus d'une heure d'entretien avec son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sur des questions bilatérales. Puis, Michel Cafando et sa délégation ont visité des infrastructures sanitaires, sociales, sportives et économiques. Première étape de la visite, l'hôpital de référence de Malabo, Centro Médico Malabo, avec une capacité d'accueil de 160 lits. C'est en profitant de ce séjour-là que le président nous a demandé de bien vouloir visiter toutes ces réalisations qui sont des réalisations grandioses. Je suis impressionné par tout ce qui a été fait ici. Donc nous sommes venus renforcer la coopération entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Dans le quartier Bonne Espérance, deuxième étape de la visite guidée, ce sont des logements sociaux de 1600 villas de type F4 qui forcent l'admiration. Le coût de chaque villa location-vente s'élève à 10 millions de francs CFA et le locataire débourse mensuellement 100 000 francs CFA. Au stade de Malabo, le président de la transition a visité l'infrastructure sportive d'une capacité d'accueil de 15 500 places. C'est l'une des quatre infrastructures sportives du pays qui a accueilli la finale de la CAN 2015. Enfin, Michel Cafano et sa délégation ont été conduits sur l'île de Bioko. Là, ce sont trois usines de production de gaz qui ont été visitées. L'ensemble de ces trois usines produisent 950 millions de barils de gaz par an et l'une d'entre elles, en plus de la production du gaz, produit de l'électricité qui alimente Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Michel Cafando a également rencontré les Burkinabés vivant en Guinée équatoriale, des compatriotes qui ont évoqué leurs préoccupations, notamment celles liées à l'obtention de documents de séjour. En ce qui concerne la situation au Burkina, le président s'est voulu rassurant. Roger Kam et Lazare Pouya. Face au président du FASO, Michel Cafando, les ressortissants burkinabés vivant en Guinée équatoriale reçoivent les nouvelles du pays. Du processus de la transition aux dernières décisions prises, Michel Cafano a tenu à les expliquer la conduite de la transition, des préparatifs des élections présidentielles et législatives de 2015 et du budget des élections. Le président du FASO dit être content de rencontrer les Burkinabés vivant à Malabo. Nous sommes contents de vous rencontrer parce que, comme je l'ai souligné chaque fois que nous passons dans les pays où nous avons des ressortissants, c'est vraiment toujours avec beaucoup de chaleur de voir que ce n'est pas seulement ceux qui sont au Burkina, mais que nous avons aussi par-delà, nous avons aussi des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants qui sont là et qui, avec nous, recherchent l'amitié avec les autres pays africains. En Guinée équatoriale, plus d'un millier de Burkinabés y vivent. Et avec le président du FASO, ils ont exprimé leurs préoccupations qui se résument à la carte de séjour, aux documents officiels et aux tracasseries policières. La majorité des Burkinabés qui sont là sont des immigrés en situation irrégulière. Ils n'ont pas les documents nécessaires pour rester ici en Guinée équatoriale. Ça fait que
ce problème fait que nous sommes tous les jours confrontés à un problème de rapatriement et un problème d'arrestation. De toutes ces préoccupations et avec celles liées aux nouvelles du pays, le président du FASO leur a donné des réponses adéquates et des éclaircissements. Nous, ce qui nous préoccupait avant, c'était est-ce que le vote de 11 octobre qui s'approche va se avoir lieu. Mais le président du FASO dit que bon, sans problème, la date est maintenue, nous sommes satisfaits. Avant de les quitter, le président du FASO, Michel Kafando, leur a prodigué des conseils d'être des Burkinabés travailleurs et exemplaires. Le souvenir des victimes du crash d'Air Algérie, bientôt gravé dans la pierre, un an après, les parents des disparus ont lancé hier les travaux de construction d'une stèle. En leur mémoire, le monument va être érigé à la cité en deux de Ouagadougou sur financement privé. Salifou Belem, Viviane Tiendrebego. Voici la physionomie que la stèle aura à la fin des aménagements. Au lancement technique, le maître d'œuvre a expliqué en quoi consisteront les travaux. Les concepteurs de l'ouvrage ont voulu faire transparaître l'émotion que ce drame a suscité. Un livre qui est ouvert et une colombe qui tient ce livre. Le livre invoque le livre de vie. La colombe, pour aussi rester dans le divin, qui indique la sainteté. Sandrine Tricot a perdu dans le crash du vol AH-57 son époux et un ami. Elle apprécie positivement ce qui est fait, mais il lui manque deux choses pour avancer. La vérité, ça on restera déterminé jusqu'à la fin. Et puis, quand on voit le beau bâtiment qui va être construit ici, c'est quand même bien dommage que les restes post-mortem non identifiables soient à Bamako. Voilà, donc on ne peut appeler nos souhaits que ces restes post-mortem non identifiables soient rapatriés et installés sous la stèle. La stèle sera construite dans un rond-point de 4200 m² à la cité Ande de Ouagadougou. Les travaux doivent en principe commencer le 1er août pour 4 mois, mais pour le moment, les consultations pour la désignation de l'entrepreneur se poursuivent. La construction de la stèle en mémoire des victimes du crash du vol AH-57 se fera sur financement privé. Politique à présent, l'Union pour un Burkina Nouveau investit son candidat pour la présidentielle d'octobre 2015 et sans surprise, ce sera Yacouba Ouédraogo. C'est à l'unanimité et par acclamation que les militants l'ont choisi ce matin. Le nouveau candidat a dévoilé les axes prioritaires de son programme parmi lesquels l'éducation. Abdelaziz Yagibo. Dans une ambiance électrique, Yacouba Ouédraogo a été investi pour conduire la destinée de l'Union pour un Burkina Nouveau, UBN, à la présidentielle du 11 octobre prochain. Un moment solennel placé sous le signe du rassemblement des Burkinabés. Le Burkina Faso appartient à tout le monde et nous devons vivre dans la paix ensemble et construire notre pays. C'est ça la priorité. La deuxième priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette cohésion sociale, qu'il y ait la paix et que chaque Burkinabé vive tranquillement dans sa région. Ce pari de démocratie a pesé. Le président de l'UBN entend le gagner une fois à la tête du pays par la mise en exécution de son programme de société dénommé la Renaissance. Un programme qui met l'accent sur les piliers de la croissance et les secteurs sociaux de base, tels l'éducation. Comme vous savez, les soubresauts que notre pays a vécu après les 30 et 31 octobre, avec les chasses aux sorcières que nous avons connues, c'est dit que notre pays doit renaître de ses cendres. Et c'est en cela que nous faisons en sorte que tous les Burkinabés doivent vivre ensemble, quel que soit le parti politique. Renaissance aussi sur le plan économique. Actuellement, vous voyez comment notre pays croupit un peu dans la misère. Avec l'onction des notabilités venues le soutenir et l'engagement ici réaffirmé des militants dans toutes leurs composantes, Yacouba Ouédraogo nourrit l'ambition de hisser haut le flambeau du parti en remportant une victoire sans appel dès le premier tour. Et justement, pour un scrutin sans fausse note, les secrétaires généraux des régions et des provinces se forment. Module principal, le suivi et la police administrative des élections. Ils ont pour rôle de faciliter et d'accompagner le processus électoral. Le reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. Suivi et police administrative des élections, c'est le rôle dévolu à l'administration déconcentrée. Et pour les élections à venir, les secrétaires généraux de provinces du Burkina Faso subissent une formation pour mieux jouer ce rôle.
Il consiste essentiellement à la prise des actes nécessaires au processus électoral. Nous avons également le rôle de la cartographie du territoire national, parce que vous le savez que les circonscriptions électorales sont indexées sur les circonscriptions administratives. Nous avons également un rôle de sécurisation du processus électoral. L'administration est ainsi chargée de faciliter l'organisation des élections. Pour les secrétaires généraux, cette formation est la bienvenue. C'est essentiel parce que pour avoir des élections effectivement qui se déroulent dans de très bonnes conditions et qui soient acceptées de tous, il faut qu'il y ait quand même un suivi, il faut qu'il y ait également une police de ces élections-là. Voilà pourquoi le ministère a voulu nous outiller pour que nous puissions avoir les éléments nécessaires et pouvoir mener à bien cette tâche dévolue à tous les secteurs généraux de région et de province. Le corps électoral est déjà convoqué pour le 11 octobre prochain. La Commission électorale nationale indépendante, quant à elle, reçoit les dossiers de candidature depuis le 24 juillet. Les secrétaires généraux sont donc bien outillés pour accompagner le processus. Quatre ministres face aux députés du Conseil national de la transition, ils se sont prêtés aux questions orales sans débat et aux questions d'actualité et elles ont été nombreuses. On note entre autres la question de l'augmentation des frais du pèlerinage à la Mecque, la situation des vigiles ou encore la communication autour du nouveau code électoral. Le point des échanges avec Bouma Ernest Nébier. Le ministre Augustin Loada de la fonction publique et celui des infrastructures Daouda Traoré se sont succédés pour répondre aux questions orales sur les actions entreprises par le gouvernement en faveur des vigiles, l'évacuation des eaux et les pluies diluviennes. Le ministre François Lompo de l'Agriculture et le ministre entrant de l'administration territoriale et de la décentralisation ont fourni des éléments de réponse aux questions relatives au coton génétiquement modifié, à l'augmentation des frais de transport du pèlerinage à la Mecque, à la logistique devant accompagner le processus électoral et à la communication sur le code électoral. Économiser sur un an, deux ans, trois ans pour un projet et à la dernière minute après l'inscription, on vous demande de débourser 520 000 francs. Vraiment, ce n'est pas du tout évident. La question leur permet peut-être de recadrer un peu et de voir quel niveau il faudrait renforcer, notamment la communication et pourquoi pas davantage la transcription. Le ministre Ouattara convient avec l'auteur des questions sur l'organisation des scrutins à venir que ce code doit faire l'objet de transcriptions dans les principales langues. Le gouvernement étudie cette possibilité qui aura comme avantage d'éclairer les populations sur les dispositions électorales pour susciter un comportement citoyen et responsable et éclairer leurs choix lors des processus électoraux. Le gouvernement a poursuivi le représentant du Premier ministre lancera dans les jours à venir une vaste campagne de sensibilisation sur le code électoral. Bien, mais peu mieux faire, c'est le résultat du Burkina au terme de la revue annuelle 2015 des réformes politiques et programmes communautaires financés par l'UEMOA. Malgré le contexte difficile, notre pays a fait un bond de 15 points concernant l'application des textes de l'Union et l'exécution de certains projets. Par contre, des efforts supplémentaires sont attendus. Les conclusions ont été transmises au Premier ministre Ernest Kambiré. Loin d'être un audit sur la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets financés par les organes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, la revue 2015 se veut l'expression de la volonté des chefs d'État de l'Union de faire de l'intégration et du développement des pays membres une réalité de façon harmonisée. Ce que nous avons noté, c'est que malgré les difficultés que vous connaissez tous, qui n'est pas un environnement propice à la prise de certaines décisions importantes, mais malgré cela, nous avons constaté que du point de vue de l'application des directives, de l'application des politiques, le Burkina a fait un bond important de 15 points. Ce qui n'est pas négligeable dans un contexte que nous connaissons. S'agissant maintenant des programmes, il y a quelques difficultés que nous avons notées, non seulement au Burkina, mais même dans d'autres pays, s'agissant de l'application de l'aménagement de 1000 hectares que nous avions prévu de faire. C'est également les surcharges à l'avion que tous les devraient l'appliquer. Pour accélérer la mise en œuvre réussie de toutes ces réformes, politiques, programmes et projets communautaires, le président de la commission de l'UEMOA, accompagné d'une délégation ministérielle, est allé soumettre les conclusions et recommandations de la revue 2015 au premier ministre chef du gouvernement burkinabé sous forme de mémorandum. Le Burkina Faso croit à l'intégration et les instructions seront
donnée au ministère technique concerné par la mise en œuvre de ces réformes politiques, programmes et projets communautaires a laissé entendre Yacouba Isaac Zida, qui a tenu à rassurer le président de la commission de l'UEMOA. Et parmi les textes de l'Union à respecter, on cite les normes communautaires en matière de conformité des lieux de travail. Une rencontre sous-régionale se tient depuis le début de la semaine sur la question à Ouagadougou. Ce matin, les ministres du Travail se sont joints aux experts. Objectif, trouver la meilleure stratégie pour un système social qui garantisse la sécurité et la santé des travailleurs au sein de l'espace. Jean Zongo, Aboubacar Sayon. À la recherche de stratégies de promotion du travail décent, les ministres en charge du travail de l'espace UEMOA et du Tchad et les experts du domaine sont réunis à Ouagadougou pour s'enrichir de l'expérience du Burkina Faso. Le pays fait partie des trois pays pilotes au monde qui appliquent depuis 4 ans le programme ACI-7 du Bureau international du travail, BIT. Un programme qui vise à mettre les lieux de travail en conformité avec les normes internationales. Cette rencontre a pour but de partager les acquis, mais également les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce programme. Le problème se pose au niveau du secteur informel, qui est un secteur qui n'est pas du tout structuré, où les normes ne sont pas du tout sont méconnues. Et c'est important que nous travaillons à les disséminer et accompagner aussi tous ceux qui sont des promoteurs, les partenaires sociaux, pour qu'ils comprennent que les travailleurs ont besoin d'un cadre, je dirais, approprié pour qu'ils donnent la pleine mesure de leurs capacités. Travailler à conformer tous les jours les lieux du travail aux normes requises est un défi pour tous les États développés comme en voie de développement. Mais c'est encore une exigence plus forte pour nos pays parce que ça implique les questions liées à la sécurité du travailleur, à la santé du travailleur. Les conclusions des travaux serviront de feuille de route pour le renforcement de la protection sociale des travailleurs dans l'espace UEMOA. L'intégration sous-régionale, c'est également la CEDEAO et pour le 40e anniversaire de l'institution, le thème choisi résume bien le projet « Une vision, un destin commun » pour la vulgarisation des instruments, notamment en matière de libre circulation des personnes et des biens. Une caravane dite de l'intégration vient de prendre la route. Objectif sensibilisé. Hervé Cabot. Partie du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, cette caravane nationale de l'intégration va parcourir les régions du centre-ouest, de la boucle du Moun, des hauts bassins et des cascades. Elle a pour mission de sensibiliser et d'informer les citoyens sur les objectifs et la vision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans les localités traversées, les caravaniers vont distribuer des documents, des protocoles sur la libre circulation des personnes et des biens et animer des jeux radiophoniques. L'intérêt de cette caravane, c'est de passer le message de l'intégration. Tous ceux qui vont prendre part à la caravane, vous savez qu'il y a plusieurs étapes. Vous avez Boromo, ensuite vous avez Bobo, vous avez Banfora. Donc à toutes ces étapes, il va y avoir une halte. Une halte pour échanger avec les populations, une halte pour passer le message de l'intégration, faire en sorte que les populations étrangères, j'allais dire anti-grippe, qui vivent avec nous, soient toujours porteurs d'espoir et que nous aussi nous les accueillons avec l'hospitalité burkinabé que nous connaissons. Le périple prendra fin à Bobo Dioulasso le 29 juillet. Dans la capitale des Hauts-Bassins, les caravaniers participeront à la 2e édition du Forum national de l'intégration qui se tiendra du 30 juillet au 1er août 2015. Cette caravane entre dans le cadre des activités du 40e anniversaire de la CEDEAO, célébré sous le thème « Une vision, un destin commun ». Les marchés publics passés par les collectivités territoriales et les EPE entre 2011 et 2012 examinés à la loupe, c'est l'autorité de régulation et de contrôle de la commande publique qui est à la manœuvre. L'ARCOP qui a également mené un audit indépendant des marchés publics, des ministères, des sociétés d'État et des institutions passées entre 2010 et 2012. L'objectif, c'est d'identifier les dysfonctionnements et d'assainir la commande publique. Paul David Bambara, Claudine Bikaba. La commande publique est de l'ordre de 3 milliards de francs CFA et implique la procédure des passations de marchés publics, un secteur qui est souvent l'objet de polémiques du fait de la non-transparence dans sa gestion.
et l'autorité de régulation et de contrôle de la commande publique, ARCOP, a passé à la loupe la gestion de 2010 à 2012 des ministères, des sociétés d'État, des institutions et les structures déconcentrées de l'État. Cet atelier est donc le lieu de rendre compte des insuffisances et faiblesses de cette gestion. Une étude a été réalisée sous la forme donc d'un audit pour voir si ces différentes structures et entités se conforment à la réglementation. Les auditeurs indépendants qui ont été recrutés ont fait le tour au niveau de chaque autorité contractante. Ils ont fait un échantillonnage représentatif de marché qui doit refléter en réalité la situation d'ensemble. Le rapport donc, de cet atelier, qui est l'atelier de restitution, permettra donc aux auditeurs maintenant, en prenant en compte ces observations, de sortir le rapport définitif. 2 jours durant, les différents acteurs impliqués devraient formuler des recommandations et valider le rapport de synthèse dans le but de l'assainissement et d'une meilleure régulation de ce secteur. Et une question, quelle est cette structure qui mène des audits sur les marchés publics? Il s'agit, vous l'avez entendu, de l'autorité de régulation et de contrôle de la commande publique. Elle poursuit les missions autrefois assignées à l'autorité de régulation des marchés publics. Présentation de la structure avec Claudine Bikaba. L'autorité de régulation et de contrôle de la commande publique, ARCOP, a été créée en 2014 en remplacement de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, créée en 2008. L'autorité de régulation de la commande publique a pris le relais de l'ARMP pour pouvoir corriger un certain nombre de dysfonctionnements et d'insuffisances et donner beaucoup plus de dynamisme au processus de passation des marchés publics. L'ARCOP a pour mission de s'assurer périodiquement du respect des textes et des performances du dispositif institutionnel existant en vue de son amélioration. Donc l'objectif, nous avons une vision, c'est d'avoir dans un horizon de 10 ans dans notre plan stratégique, de faire du système, d'avoir un système performant de passation des marchés qui est conforme aux normes internationales et qui, en tout cas, est crédible. C'est pour remédier à la méconnaissance des textes, de la lenteur des procédures de la passation des marchés publics et pour assainir ce secteur que des audits indépendants ont été initiés par le gouvernement. Les promoteurs de petites et moyennes entreprises du Burkina Faso sont ambitieux. Leur objectif, conquérir des marchés internationaux. Et pour ce faire, ils peuvent compter sur le Centre national de la propriété industrielle. Le centre les accompagne par une formation sur les questions de la marque dans le commerce. Drissa Traoré, Moussa Sano. Avec le protocole de Madrid relatif à l'enregistrement international des marques auquel l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a adhéré en 2014, une nouvelle opportunité s'offre aux PME-PMI du Burkina. Il s'agit à travers cet atelier de leur montrer toute l'importance de la marque dans le commerce international. L'objectif est non seulement d'informer, mais aussi de sensibiliser les PME sur l'importance de la protection de leur marque pour les marchés étrangers. La marque est un signe distinctif, un outil de développement et de promotion des produits ou services, et le Centre national de la propriété industrielle, en organisant cet atelier, entend contribuer à rendre les entreprises burkinabè plus compétitives sur le marché international. Une entreprise qui a protégé sa marque sur un marché international, il a d'office un droit exclusif de commercialiser sur ce marché-là. Et en même temps, il dispose d'un moyen efficace pour lutter contre la contrefaçon. À noter que les entreprises, qu'elles soient industrielles ou commerciales, exportatrices ou importatrices, petites, moyennes ou grandes, ont toutes besoin de marques, des marques qu'elles doivent protéger. À présent, ce reportage qui va sans doute vous mettre l'eau à la bouche. Connaissez-vous les brochettes de Kaya? En tout cas, c'est l'une des spécialités de cette ville, à côté du cuir et des peaux, des brochettes de viande qui font le bonheur des clients de passage et qui constituent un bon gagne-pain. Mamadou Dabiré et Peggy Ouedraogo.
Elles sont succulentes de l'avis des consommateurs et leur odeur en vaut le détour. Elles font aussi la réputation de la ville des cuirs et des peaux, Kaya. Mahamadi Sempouré a fait d'une spécialité la vente des brochettes. Depuis plus d'une dizaine d'années qu'il est dans l'activité et sa renommée dépasse les artères de la ville. C'est ce que mon patron m'a appris que je poursuis aujourd'hui. C'est ce qui fait que mes brochettes sont bien prisées. Il m'appuie toujours dans mon activité, bien que je ne travaille plus avec lui. Dans la matinée de ce 23 juillet, il n'y a pas foule chez M. Sempouré. Cependant, plus de la moitié de ses brochettes en préparation sont déjà achetées. À Kaya, ici, les commandes sont surtout pour les cérémonies. À partir de jeudi, on reçoit beaucoup de commandes de ceux qui viennent de Ouagadougou. Sur commande, mais aussi de la viande crue au détail. Adja est par exemple là pour la sauce du jour. La tentation des brochettes est grande. On aime la brochette, les brochettes, mais vraiment, c'est les moyens qui nous manquent. C'est ce qui explique que cette viande en brochet semble si petite. Monsieur Sempouré se défend par le prix des quartiers de bœufs qui ne fait que grimper. Qu'à cela ne tienne, l'activité nourrit son homme, ajoute-t-il. Pour sa part, elle fait vivre ses deux femmes et ses six enfants, ces derniers tous scolarisés. Voilà pour ce reportage succulent. Suite de ce journal, cadre sectoriel de dialogue, décentralisation, sécurité, c'est la revue à mi-parcours. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation fait le bilan des activités menées dans le premier semestre 2015. La Sina Ouattara, Touboum Evelyne Dabiré. C'est ce document qui fait la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue, décentralisation, sécurité, qui a été soumis à validation. Il fait d'abord le bilan des activités dans les secteurs de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité, puis dégage les principaux acquis et les difficultés rencontrées. Cette session va nous permettre donc de faire le point des acquis enregistrés, de faire également le point des difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre de ces actions-là et de proposer d'autres mesures pour pouvoir conduire le reste à bon port. Durant cette journée du 24 juillet, les participants venus du département de l'administration territoriale et de la société civile auront à réajuster aux besoins les propositions contenues dans ce document afin de le valider. Santé à présent, et il est question des grossesses non désirées et des avortements dans le district sanitaire de Djibo. L'ONG Médecins du Monde a mené sa petite enquête. Objectif, dégager les déterminants socioculturels et communautaires. L'ONG entend vulgariser les résultats et renforcer ses actions pour le respect des droits sexuels et reproductifs au Burkina Faso. Ini Janine Kambiré. L'ONG Médecins du Monde France a lancé depuis juillet 2014 un projet de santé sexuelle et reproductive dans le district sanitaire de Djibo, notamment au sein de la tranche d'âge de 15 à 24 ans. Ce projet a pour but essentiel de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle à travers la prévention des grossesses non désirées et des avortements. Et c'est dans ce cadre que se tient le présent atelier de restitution de l'étude sur les déterminants socioculturels et communautaires des grossesses non désirées et des avortements. Les femmes, elles avortent parce qu'elles ont porté des grossesses qui n'ont pas souhaité. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, on remarque qu'il y a une insuffisance d'information sur les questions globales de santé sexuelle et reproductive et d'accès à la contraception, particulièrement auprès des adolescentes. Elles n'ont vraiment pas accès à la contraception à part l'accès aux préservatifs, alors que c'est une politique nationale prônée par le gouvernement. Les partenaires engagés dans la promotion des droits sexuels et reproductifs au Burkina, une fois imprégnés de l'étude, pourront interpeller les décideurs et mener des actions de plaidoyer. Le but est de contribuer à un changement durable des pratiques et des législations dans notre pays. La Loterie nationale burkinabé qui continue de faire des heureux gagnants. Cette fois, ils sont 4, 11 millions pour les uns, 36 millions de francs CFA pour les autres. Ils viennent de recevoir leur chèque. Kadi Sanogo.
Soumaïla Sawadogo et Amidou Ouedraogo, après avoir joué au PMB, reçoivent chacun leur chèque de 36 millions de francs CFA des mains du directeur général de la Lonabé. Comme eux, deux autres parieurs ont reçu des chèques de 11 millions chacun. Après avoir joué au PMB plusieurs années, la chance leur a souri. Grâce à cette somme, ils pourront faire des réalisations. Je suis content. Voilà, si on a 36 millions et quelques là, en tout cas, on va prendre l'argent comme ça là pour faire quelque chose dans ma vie, quoi, pour assurer ma vie. Le directeur général de la Lonabé, Lucien Karama, n'a pas manqué de féliciter les heureux gagnants. Ces gains-là viennent récompenser leur courage, leur persévérance à jouer. C'est pas facile, c'est un jeu de hasard. On joue, on perd. Je demande aux parieurs de persévérer et de croire en nos produits. Et ça va aller, ils vont être un jour bénéficiaires des gros lots. Lucien Karama a invité les parieurs à faire confiance à la Lonabé et à faire bon usage de l'argent obtenu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.